Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on continue notre let's play de Mortal Shell. Oh, je l'ai dit à peu près normalement là, non? Mortal Chills. Allez. On va essayer d'avancer un petit peu. J'avais pas été voir toute cette zone. On va aller voir un petit peu, regarder un peu ce que c'est. S'il n'y a pas des petites choses à récupérer, des champis. Ça tombe bien parce qu'on a la petite prêtresse qui est tout juste là. Tiens, t'es qui toi? Nous ne rappelons plus de notre nom. Nous ne nous rappelons plus de nos noms. Nous sommes une multitude vidée et renversée par un réceptacle d'apparence humaine. Une image réconfortante. Vos yeux refusent d'admettre notre forme infinie, mais ni le temps ni l'espace ne peuvent nous confirmer. Nous confiner, pardon, eh ben si, ils peuvent. Le corona, il peut. On en est où? Une pièce de spécial par ici, en fait. Là, je peut potentiellement monter. Il y a l'air de rien avoir non plus là. Par là, il y a peut-être quelque chose. Non. Non, non, il n'y a rien. C'est grand, il n'y a rien, c'est tout. Bon. Ils avaient peut-être prévu de mettre quelque chose, allez savoir. Futur DLC, peut-être. Oh, il y en aura un. Je pense que le jeu a fait un carton, hein. Tout le monde en parle. Par là. Hop. Allez. On va essayer d'aller de ce côté-là. Je crois, si je me souviens bien, voilà, il y a des archers partout. C'est vraiment bien raté. Oh. J'ai fait que de la merde. Ah, il faut que je m'y remette, hein. C'est pas toujours simple. Car on fait que de la merde. Je... bon. Ici on grimpe à nouveau. Désolé madame. Du goudron. Je passe par là, mais attends, je vais regarder quand même ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que... Là on grimpe, mais on s'arrête, ouais, d'accord. J'ai bien fait. Je pense d'ailleurs que ces petits chandeliers sont un peu là pour ça aussi. Les petites madames, on les entend partout. Et on a accès à rien au niveau vision. Je vais y aller, mais c'est pas une bonne idée. Ça va. C'est pas trop mal passé. Manuscrit.
vraiment falloir que je fasse le tri au niveau du matos et puis regarder un peu qui sert à quoi. Parce que là, j'ai bien rien regardé depuis le début. Putain. Il a contré le con. D'essayer quelques trucs aussi. Alors ça, c'était quoi? Les prochains dégâts subis lorsque vous êtes endurci sont convertis en santé. Ça, ça pourrait être bien aussi. Ça, c'est quoi? Octroi à ceux qui en boivent une petite quantité de détermination. Ouais. Utiliser ces objets. Bah oui, ça c'est du poison. Le rat grillé est bien, ça récupère de la santé. Ça, ça me change de truc. Ça, ça vous ramène à Sir Grécha en échange de vos lueurs. Si vous êtes frappé en étant en forme endurcie, les dégâts de la prochaine attaque seront augmentés. Bon, ça c'est pas mal. Et pour un boss, si vous êtes touché alors que vous êtes en forme endurcie, vous gagnez un bonus de réduction des prochains dégâts, on s'en fout. Prochaine parade réussie, remplit la jauge de détermination, ok. Ça, je sais pas ce que c'est, mais j'ai peur que ce soit en rapport avec ça. Vous savez quoi, on va le tenter quand même. Après tout. Quantité de détermination. Ça, ça a l'air d'être... c'est du goudron. Foulard de martyr. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. Et ça non plus. Et ça non plus. Par contre, ça, je pense... Non. Est-ce que ça sera en rapport avec le manuscrit? Et tous les manuscrits ont des effets différents, en plus. Donc, vraiment, on peut pas savoir. Et c'est la cloche. Merde. Ouais, mais c'était prévisible. Oh, c'est pas très grave. Hein. Ça y est, on sait. On sait. Alors, lui, je peux pas l'utiliser. Je peux pas. Une épée à deux mains. Invoque la lame de martyr. Ah merde! J'en veux pas? Ah non! C'est très con, mais effectivement, ça a du sens. Le foulard de martyr... Ah non. Prochaine parade au 3 dans la santé en cas de réussite, d'accord. Un regain de détermination pour la cloche. Ok. Avec ça. Ah non, pas là. Je me retrouve avec une arme que je veux pas. Ferveur. Désespoir. Ça, c'est certainement la détermination encore. De récupérer votre enveloppe après être mort. C'est bien. Prochaine parade, empoisonne. Prochaine parade réussie, votre prochaine attaque. Cause plus de dégâts. Ok. Allez, on vire tout ça. Donc c'est pas grave, on a commencé à savoir pas mal de choses. De toute façon, faut bien le tester. Hein. C'est dommage d'être obligé de le faire comme ça, par contre, parce que bon, on a déjà pas beaucoup en plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, madame, ouais, tu n'as rien autour de toi, donc je vais être obligé de me taper cette arme de merde. Oh, c'est pas vrai. Oh, quel gland. Quel gland. Je vais pas pouvoir récupérer votre épée. Ah, par contre,
contre, ce qui est bien, ils sont toujours morts. C'est bien. Ah, bah ça m'apprendra à faire ça. Je savais qu'il fallait pas que je le fasse là et qu'il fallait que je le fasse quand j'étais au calme là, dans le hub central. Bon, ça va aller quand même, mais s'il y a un boss là, je le commence vraiment pas de la meilleure façon. Enfin, il a pas l'air d'être là le boss. Il a l'air d'avoir encore une zone avant lui. Alors là, là on a du monde. J'ai pas envie de choper tout le monde là. Franchement les gars, je vais pas passer. J'aimerais bien aller vous éclater, mais j'ai peur que vous pointiez à 4 en fait. À 3 du moins. Au moins 3. Puis je sais pas trop pourquoi je devrais aller vous tuer. Parce que vous êtes là tranquille. Vous ne tuez personne, vous êtes fou. À moins que toi, j'essaie d'être niqué, toi là. Toi, tu vas faire tout le tour. Eh non, non, toi, tu vas faire tout le tour. Oui, elle est surtout pas du tout up quoi. Ah, pourquoi j'ai cette épée là? J'ai tout écrasé des rapidos comme ça là. Je vais essayer de vous contrer, mais ça va pas le faire. J'ai vraiment aucun moyen de pouvoir aller récupérer cette épée, c'est fou, je peux même plus sauter, je peux... Ah. Foulard de martyr... Ah là 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 là... Si. Ouh, génial. Ah, putain, je vais me tromper de bouton de... Ça par contre, je vais me tromper à chaque fois, c'est gonflant. Pourquoi avoir foutu le bouton start ici? Bref. On va grailler un peu. Et on va se remettre. Petite santé. Maintenant, on va être un peu plus balèze.
toi, Jackie. Voilà. Il va faire largement cette double attaque. Objet nectar contaminé, tout ça pour ça. Bon, c'est bien, mais. C'est bien. Pas râler non plus. Toi, je te tue parce que j'aime tuer tout le monde. Parce que je suis un maniaque. Pourquoi je te tue? Ça va où tout ça? Qu'est-ce qui se passe, madame? Elle est tombée? Là, j'essaie d'éviter d'esquiver parce que c'est pas vraiment le moment de tomber non plus. Puis je suis largement assez doué pour pouvoir le faire. J'ai besoin de personne pour mourir, ouais. Je grimpe, mais c'est peut-être pas une super idée. Oh là là, j'en sais rien. C'est chiant, c'est ce character design qui est... Enfin, ce level design qui est mal. Et là, je peux pas aller là, si je peux. Mais c'est super grand, hein. C'est super grand. Bon, là, je peux me TP, je peux aller où avec ça?
c'est l'endroit où il y a la... Ah, si, ça, c'est un raccourci. C'est l'endroit où il y a la... prêtresse, là, non? Est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est là. Très bien. Je vais retourner là-haut. Grimper un peu. Si ils sont pas revenus, ouais, c'est bon. Pour aller fignoler la petite zone. Que je suis maniaque. Et ensuite, donc on pourra se TP directement là, ça va être pratique ça. C'est bien. Ah, j'ai eu un petit coup de chaud là avec mon épée. Je me suis dit, c'est foutu, il va falloir retourner à l'entrée. Cette zone là que j'ai pas faite, je vais aller la faire. Je sais pas trop pourquoi, parce que ça se trouve il n'y a rien. On va tester quand même. Alors ici on a deux bonnes femmes et un gros marteau. Viens madame. Ça, toi, c'est un peu long, mais au moins ça m'évite de prendre des risques. Parce que vu qu'il n'y a pas de heal, bon, il faudrait vraiment par contre que j'achète des ragondins la prochaine fois. Il n'y avait rien, super. Des lueurs, alors c'est bien, hein, mais. J'en ai plus tellement besoin en fait. Quoique, je vais regarder ce que je peux up après tout. Parce que là, on doit pas être très loin du boss. Et cette petite... ce petit ascenseur là, il va certainement nous permettre d'y aller beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est dommage, je pense qu'on passe pas très loin du très très bon jeu. Si on peut lui rajouter un caractère design un peu plus sérieux, une possibilité de up son perso. Parce que c'est pas. Le but c'est pas de se retrouver avec un perso immortel. Mais on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes mobs. Et. Qu'à partir de là. Ils ont pas fait tellement d'efforts, ils ont décidé d'en mettre plein. Bon, ouais, c'est une toute petite équipe. Hein. Ouais, il faut revenir aussi à ce qui, à ce que c'est. C'est-à-dire que on est en face d'une toute petite équipe qui a quand même réussi à faire un jeu super complet, très joli. Là, je tente ce machin, je n'aurais jamais faire ça. Moi. Je vais le faire, mais je n'aurais pas. Parce que là, regardez, on n'a aucun.
cloches, je m'en fous des cloches. Même si, enfin, je m'en fous, c'est pas vrai, parce que sur un boss, utiliser des attaques spéciales, ça leur fait très très mal. Donc, ah, mais faut que je rappelle en fait le truc. Hein. Con que je suis, moi. Mais alors, donc là, j'avais des TP pour pouvoir me retrouver en face du. De l'ascenseur. Ça, c'est pas le même TP, je sais pas au même endroit. Est-ce que l'ascenseur maintenant il est en haut? Ah, il est en bas, du coup. Je peux aller où avec ça? Qu'est-ce que c'est? Ça me permet de descendre, ça, j'ai l'impression. On est ici. Si je tombe, je meurs. Je me retrouve où là? Ouais, non, faut pas que je tombe là. Je vais faire quoi là? C'est pareil. Je suis obligé de mourir. Ça par exemple, c'est de la merde. Ouais, j'ai pas d'autre choix, j'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression que je n'ai pas d'autre choix que de mourir. Bon, on va mourir, je m'en fous. Après tout, est-ce que je meurs là? Ouais, on y va. Ouais, en plus, ça faisait vraiment une zone bloquée. Prendre mon petit café, je vais couper le micro. Excusez-moi. I've kept your flesh safe, foundling. Perhaps it's time to make some new memories?
Bon alors me revoilà, mais ouais j'ai plus de vie. J'ai pas trop mal avancé, mais j'ai plus de vie. Et j'ose pas contrer. Oh, puis alors là, on m'attend sévère. Je sais pas où je vais en plus. Je sais pas du tout si c'est le bon coin. Hein. Est-ce qu'il y a l'autre qui m'attend là? Alors là, ça va être chiant. Ouais, je peux pas sauter là. Je vais être obligé de lui le choper d'abord. Bien toi potentiellement. Est-ce que tu pourrais te pointer assez près? Ces mecs que je tue, je pourrais pas avoir un peu de vie. Tiragondin. Hein. Bon. Ici, on a quoi? On peut encore avancer un peu là-bas. Je vais regarder. Je crois pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant. C'est peut-être mon erreur aussi, mais je me renseigne pas assez sur les jeux. En tout cas, ouais, j'ai de quoi faire bien booster mes armes. Ça, c'est une réalité. Et je pense que ce Mortal Shell, là... Premier run, c'est très compliqué. Deuxième, ça doit être beaucoup, beaucoup plus simple. À voir le perso que j'ai pris là qui me permet là tout de même d'être vraiment plus solide pour commencer, c'est parfait. Alors mesdames, du champi. Et ici on a quoi? Putain, c'est encore long comme ça là. On s'ennuie un peu. Des fois tu peux pas monter. Donc on remonte. Cette fois-ci je vais essayer de sauter là. Tu dois gagner un temps fou quand tu refais une run ici.
super, c'est marrant, mais autant quand je rejoue à des Dark Souls, c'est un plaisir d'aller dans tous les petits endroits, fouiner, récupérer des trucs. Parce qu'en fait, même si c'est pas des trucs ultra importants, c'est quand même des trucs intéressants. Je veux pas aller, je sais pas si je dois aller là-bas. Alors que là, on récupère des trucs, on s'en fout. Ouais, non, 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 là je peux pas sauter, c'est juste pour faire joli. Si ça se trouve, on peut sauter et il y a une petite arme qui m'attend. Non, je pense pas. C'est là. C'est là. Ouais, donc autant là. Récupérer, mais pourquoi quoi. Aussi cette roulade, un coup aller en arrière, un coup aller en arrière. C'est un peu dommage. Bon après voilà, hein, je suis assez critique. Je répète quand même que c'est un petit jeu vendu à un petit prix et que il est quand même ultra bien foutu. Est-ce qu'il y a un sens particulier? Il est bien foutu et puis bah, c'est plaisant de s'y promener mine de rien. Même si on sent que là ils ont mis tous les effets dans les pierres. C'est dommage. Et donc j'ai hâte pour le coup de voir le numéro 2 potentiellement, parce que je mériterais un numéro 2 quand même avec une histoire un peu plus poussée. On va voir, hein, mais bon voilà, d'après ce que je dis sur le jeu, l'histoire a pas l'air d'être folle folle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un boss déjà. Bon, si ça c'est un boss, j'arrive de super loin quand même. J'aurais aimé... Ah, bonjour madame. Mais voilà, je mets exactement, c'est vous que je voulais voir madame. Once I was in awe of the knowledge contained here. But it was a fool's errand to try to catalog the contents of this library. The devout keep searching, endlessly hunting for a revelation. Even as they're surrounded by madness. Keep your eyes ahead, foundling. Do not stray among the teetering stacks. You'll only delay the inevitable. Ça, ça peut être bien, j'hésite à en prendre. Parce que bon, il faut quand même deux lueurs, mais ça refile de la vie. S'arrête là. Ce qui est de bons amis. Parce que. Là, donc là, il y a de boss à peine. Je pense. Parce que, ouais, ça, c'est. Ça peut être potentiellement pas mal. Comment il s'appelait? Ah, dans ce film, avec Chose.
Ok. Quoi? Ok. Ah là là, putain. On gagne un peu de vie avec ce truc. Bon, on va retenter. J'aurais aimé avoir un peu de vie. C'est dommage cette histoire de vie là. Pourquoi je comprends pas pourquoi on peut pas avoir une potion, un truc, ou en tout cas des possibilités d'en acheter. I've kept your flesh safe. Ouais, mais toi tu me files rien en fait, madame. Je t'ai acheté des trucs qui valent rien. Perhaps it's time to... Qu'est-ce que t'as? C'est bien, mais ça sert à rien, ça me ramène là. Gagner une unité de réduction sur les prochains dégâts subis. Ouais. Bof. Oh putain, qu'est-ce que c'est ? Ouais, non, j'ai rien. Bon, après, j'ai encore une fois pas utilisé tout ce que j'avais. Comme d'habitude, je suis pas foutu d'utiliser mes attaques. Je vais essayer d'esquiver beaucoup plus cette fois-ci. Obligé de se taper la tête. On a plus de temps. Ah mais je suis déjà à moitié mort là?
C'est une blague? Alors j'essaie de passer, mais ça bug. J'ai planté le jeu, je pense, mais ça va. Utiliser un contre. Donc alors ça va rechanger de nouveau. Je vais me retrouver tout en haut d'une tour. Et oui. C'est glauque. On va aller voir la petite dame.
que là, je sens qu'on va s'amuser encore pour redescendre de cet endroit. De toute façon, je pense que je vais arrêter la vidéo là. La dernière fois, je l'avais fait hors vidéo. Je l'avais fait en une seule fois, hein. Ça avait été assez simple. J'avais peur que ce soit plus long que ça. Yes, you've done it. Mais là, the sacred gland is yours. L'endroit était carrément perhaps en fait, avec, it was always yours. Parce que c'est la gueule tout le temps. If you manage to extract the true nectar, be wary. Sip slowly. I remember a heretic who drank deeply. He took what wasn't his and gulped it down greedily. He was unrecognizable afterward. Another man entirely. This was his reward and his penance. Bah, j'ai rien à récupérer. Je vais essayer de up les autres armes. Les autres armures certainement. L'armure du voleur. Pas très bien ça. Ça va aller partout. Ce qui va être très très chiant. Tiens d'ailleurs, c'était pas là qu'il y avait un petit champignon. Non, 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 rentre. C'est bien ce petit épée là par contre. Même si je suis pas encore sorti d'affaire. Putain, je suis pas sorti d'affaire du tout. Que des tireurs en plus. Ils sont complètement cons. Alors. Ah putain. Wow. C'est bon, on va pouvoir descendre ici. Vous arrivez ici avec un petit perso, heureusement l'autre je crois qu'il peut se TP aussi le petit voleur là. Ah puis alors là il y a plein de trucs putain. Putain.
Perhaps it's time to make some new memories. Allez, je vais m'arrêter ici vraiment cette fois-ci. Je vais vous souhaiter donc à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Allez, à bientôt.